Fait des travaux longtemps que les. Il est encore 2h20 du matin. Je suis de la perceuse là, dans la forêt de voisins là en bas. Oh, bah j'ai gueulé 3 fois, mais il continue son cinéma. C'est des gens, ils dorment pas. Voilà, 2h du matin, il continue à percer et à enfoncer ses chevilles. Je l'ai engueulé 3 fois, j'ai gueulé comme une malade dans les marches. Rien n'a pété, rien n'a pété. On dit que les jeunes n'ont pas de respect, mais il y a des vieux, franchement. Hein. Ouais. Et Gilles, lui, il s'en fout, alors lui, bah, il dit rien, il a même pas les couilles. Hein. Un mec qui a des couilles, il serait descendu, il aurait tapé à la porte. Moi, j'ai pas tapé à la porte, j'ai gueulé dans les marches. Déjà, comme tu descends, ils ont leur radio à l'effort. Là, on n'entend pas trop parce que je suis au-dessus, mais. Faut voir le bordel que ça fait. Ils dorment le jour, oui, enfin, si on peut dire, ils font des calipettes toute la journée. Des vieux qui ont le feu au cul, j'en sais rien, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais bon. La nuit, c'est fait pour dormir, c'est pas fait pour faire des travaux, hein, ils ont qu'à faire les travaux le jour. Franchement. Génial. Bon, c'est génial, hein. Bon. Oh, la prof qu'il est 2h du matin. Hein? Je vois pas. Enfoiré. Je peux dormir, que ce c'est con. En plus, ils ont les fenêtres ouvertes en bas, alors ça fait des ponts thermiques. Ouais, c'est génial. C'est un monde de dingue. Ils disent que les jeunes n'ont pas de respect. Ah bah, ils n'ont eu du respect, les vieux comme ça, là, les vieux machins. Hein. Non mais. Ah, ils nous ont refoutu encore des trucs. Oh punaise. Il avait qu'il est resté dans son camping là où c'est qu'il était là. Dans sa caravane. Mais il y en a qui se prennent des coups de fusil dans la gueule, mais ils le cherchent bien. Hein. Je vous dis pas qu'ils auraient raison de le faire, mais pour dire. J'ai trop bien avec l'autre. J'ai pas de problème avec l'autre. On dirait, ils travaillent. Bon, bah, de toute façon, il y en a comme ils travaillent, ils font les travaux. Ils font les travaux qu'ils ont à faire comme ils rentrent, ou le week-end. Hein. Mais là, c'est des vieux qui ont plus de 60 ans. 70, j'en sais rien, moi. Ils travaillent pas. Ils font chier le monde la nuit, non mais. Ça fait 2-3 jours qu'ils sont là. J'oublie.
Tout est fait à neuf, hein, en bas, les fils et tout ça. Tout a été refait, hein. Je sais pas ce qu'ils font. Franchement, tout a été refait à neuf en bas encore. S'il y a des trucs accrochés au mur, ben, ils peuvent le faire l'après-midi, non? Au lieu de faire des calipettes ou autre chose. On est mal barré, hein. Je suis descendu dans les marches, pas loin de leur porte. La radio a gueule tellement fort que je sais même pas s'ils m'entendent, mais bon, ils ont dû m'entendre quand même entre deux. De toute façon, il n'est pas sourd. Gilles le connaît, il n'est pas sourd, ce mec. Oh, ils n'ont rien à battre. Ah, il y en a qui... Putain. Ah, il n'y a plus de respect de rien. Bon, bah, je vais essayer de dormir quand même, voir s'il continue sa perceuse. Comme il y a la radio, bon, je l'entends la radio, mais ça va, mais là, la perceuse, non, ça le fait pas. Hein. Le marteau et la perceuse, non. Hop, puis après, ils vont dormir, ils vont aller se coucher vers je sais pas quelle heure. Hein? Alors, eux, ils vont dormir. Ça peut me donner le sommeil qu'ils m'ont empêché d'avoir. Hein. Elle écoute ces conneries-là, elle, la vieille. Je suis pas sorti de l'auberge. Avec des pareils machins, allez. Bon, bah, je vous quitte là. Mon rabiste, il est sans mots. Hein. Ça serait pas de faire quoi que ce soit, je suis fatigué. Et puis les autres, ils font du bruit, alors c'est pas. À part en télépathie, je vois pas comment. Hein. Ouais, de toute façon, je t'ai expliqué. Hein. C'est le monde à l'envers, vas-y. En plus, ça serait des jeunes, genre les jeunes, ils se foutent de la gueule, le plus. Mais alors là, des vieux, alors là, ils ont pas eu d'éducation, c'est pas possible. C'est pour moi. Parce qu'à cet âge-là, eux, ils ont connu l'époque où c'est qu'ils ont été éduqués par des parents qui. Je comprends pas. Je comprends pas. Ouais, vas-y, continue tes machins. Ton marteau, je vais te le mettre là où je pense, hein, et puis ta machine aussi, hein. Bon bah. Ah, puis Gilles va se lever quand même, hein. Il va avoir la tête dans le cul, il va se lever, mais moi je vais vouloir dormir, je vais pas pouvoir, hein. Putain, j'en ai marre, vous.
Bah, puis il est passé où son chien, on n'entend pas. C'est bizarre ça. Je sais même pas si la vidéo va passer parce qu'avec tout ce que j'ai mis. Mais même que tu fasses doucement, pauvre con, vas-y. Si... Non, il fait pas doucement de toute façon parce que. T'empêches les autres de dormir. Mais tu t'en fous, tu dors pas, t'en as rien à branler, hein? Ouais. Moi, je tire même pas la chasse d'eau si je vais faire pipi la nuit pour pas réveiller les voisins, puis eux, ils font de la perceuse. Non, mais. J'ai un synthé, et je vous jure, j'ai un synthé, et je vais. Si je veux, je peux vous faire de la musique, hein? Enfin, un synthé. J'ai un machin spécial, là. Hein, avec des baffes et tout ça, je vais vous faire péter le mur, moi, avec toi. Non, mais franchement. Hein, je branche mon baladeur. Je branche ça sur mon smartphone et je mets de la musique. Ça va résonner là-dedans, je vous le dis. Hein. Ouais. Je vais faire style boîte de nuit. Hein. Dans la journée, j'ai le droit, alors vous pourrez toujours venir me dire « Ah ouais, vous nous réveillez le jour? » Bah ouais, moi. Le jour, c'est normal. Il y en a, ils sont chiés. Ouais, tu vas avoir un message. Bon, bah j'y vais, moi.